C'est un geste ancien très couru en Chine, au Japon et en Corée du Sud, et que l'on a découvert lorsque ces équipes-là venaient en tournée en Europe. Popularisé donc à l'origine par les nations asiatiques, le kung-fu est l'un des gestes les plus spectaculaires du handball. Alors le principe du kung-fu, ça se fait en général avec deux personnes, donc il y a un passeur et un réceptionneur. Le passeur fait la passe donc au-dessus de la zone, et le réceptionneur saute, reçoit la balle en l'air et tire dans la foulée. Donc il doit avoir tiré avant de retomber par terre. Le tireur reçoit la balle alors qu'il se trouve en suspension au-dessus de la zone adverse. De cette position acrobatique, il doit tirer en direction du but avant de toucher le sol. Entraînez, placez-vous devant la zone de but. Un joueur doit vous faire une passe que vous devez intercepter en vol immédiatement pendant que vous êtes en l'air. Essayez de smasher avant de retoucher le sol. Cette technique demande de l'entraînement car elle est assez difficile à mettre en place. Ne vous découragez pas et réessayez.